Et nous sommes revenus. Et ça bouge. Nous sommes de retour. Hein? Et bonjour les amis. Merci d'être là à la maison puis de nous écouter et être là chaque semaine et nous appuyer là-dedans dans les trouvailles de Joanne et dans les émissions à Diane aussi, Retro Mix et tous ceux, dans le fond, tous les animateurs. Merci d'être là pour nous écouter. Parce que sans auditoire, on ne peut pas faire grand-chose. Mais tu sais, Joanne, et tu sais, Diane, que l'excellence attire toujours. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'écoute. Parce que, bon, pour parler de Joanne, je sais que tu es une artiste qui est respectée, mais pas seulement l'artiste qui est respectée, la femme aussi de cœur que tu es. Donc, moi... Mais tu es bien gentille. Ben, ça me fait plaisir d'être là, Joanne. C'est un grand plaisir. C'est la passion. On aime tellement ça, la musique. Et, ce métier-là, c'est une drogue et ça nous tient en vie. Et je sais ce dont je parle. Tu sais, cette émission-là, Les Trouvailles de Joanne, c'est grâce à Diane aussi. Parce que Diane, elle avait une émission. Un amour. Oui, Diane avait une émission qui s'appelait Retro Mix. Okay? C'est toujours son émission. Mais elle nous donne du temps d'antenne des ondes sur RCMV pour que je puisse faire les trouvailles de Joanne, mes 5 à 7. Et fine, hein? Diane, c'est un cœur sur deux pattes. Bonjour, monsieur, ça va bien? Oui, c'est agréable. C'est le beau Daniel qui arrive. C'est le beau Daniel, ça va bien? Mais oui. Oui. Là, on a des photographes, on a des amis artistes. Il y a plein de monde qui se rajoute. Oui. Bon, ben dis-moi, là, on est ici aujourd'hui pour parler de ton nouveau CD. Hein? Oui, tout ça à fait. Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas fait d'album? Ça faisait un petit bout quand même. Ça faisait, écoute, trop longtemps. Là, tu as décidé, j'en fais longtemps. Super belle pochette en passant. Merci beaucoup. Merci je l'ai mis dans les trouvailles de Joanne. On l'a mis sur RCMV aussi. La photo a été prise par une grande amie, maître photographe qui est Ghislaine Girard. Wow! Donc, je suis très heureuse parce que moi, non, effectivement. T'es gâtée. Très, très gâtée. J'ai des gens extraordinaires autour de moi. J'ai mon ami d'ailleurs ici qui est comme un frère, Yvon Théberge. Yvon, mais c'est Yvon qui est avec nous. Qui me suit presque partout. C'est un frère pour moi. Et gentil. Très gentil. Merci d'être là, monsieur Yvon. Gentil, talentueux. On l'adore. Oui, bye bye. Alors oui, cet album-là, Joanne, c'est un rêve devenu réalité après avoir vécu un enfer, je te dirais, pendant... T'étais malade, t'as eu le cancer de la gorge. Hein? J'ai eu un cancer au niveau des cordes vocales. Donc, quand t'as ça comme diagnostic, écoute, pour une chanteuse, je pense qu'il n'y a pas de drame pire que ça. Donc, je te dirais que quand le médecin m'a dit, par contre, tu pourras plus jamais chanter, moi, je suis une combattante. Le coup de poignard, hein? Le coup de poignard. C'est drôle, je me suis fâchée à ce moment-là parce que je me suis dit, OK, tu as le droit de donner ton diagnostic, mais tu n'as pas le droit de choisir de mon destin. Ça m'appartient à moi. Exactement. Donc, il m'a dit, écoute, essaye, mais moi, c'est dans mon rôle de te dire les vraies choses. J'ai dit, et moi, c'est dans mon rôle aussi de te prouver que la médecine gagne pas toujours, que quand on veut, la tête, le mental, le moral... Le moral, et on peut encore plus fort que ça. Ah oui, tout absolument. À fait. Et j'en suis l'exemple, parce que pendant un peu plus de 3 ans, tous les jours, moi, j'avais plus de voix. Hey, wow, tu m'en parles, j'ai des frissons, là. C'est une histoire incroyable et tu es un peu le petit miracle. Un petit miracle. Ben, je te dirais, les miracles ne se font jamais seuls. Faut s'aider. Ouais. Tu comprends? Il n'y en a pas de facile, mais oui, on peut appeler ça un miracle. Un miracle de l'amour, parce que sans les miens, sans mes proches, je me serais pas battue autant. Sans mon père, qui m'a été bien entouré. Très, très bien entouré. Écoute, pendant chaque jour, j'ai réapprivoisé note par note. C'est long de se... Do, ré, mi, fa, sol, la, si, ouais, do. C'est long. Pendant des semaines, t'es sur le dos. C'est ça? 2-3 mois minimum de... C'est très long. C'est des années, moi. C'est une question d'années. Oui, ça a été long comme ça? Ça a été long, oui. Des semaines sur le dos, des semaines sur le ré, des mois à revenir sur le dos. Tout ça pour retrouver une voix qui n'était plus. Donc, et ensuite... réapprivoiser
une nouvelle couleur de voix. C'est pas toujours évident aussi, ça. Non. Parce qu'on est habitué à s'entendre d'une façon. C'est pratiquement comme un bébé qui recommence à marcher. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'avais eu des nodules. Oui. Ça fait 15-20 ans de ça. Et puis, oui. Deux nodules, une sur chaque corde vocale. Puis, ça a été long. Je vais dire, ça a pris 2 à 3 mois avant qu'on peut placer le do. Tu sais, tu veux faire le do, mais il va sur le dièse ou sur le bémol. T'es jamais... c'est long, ça. Et un cancer, j'imagine que c'est des années de... Écoute, puis aucun contrôle sur ta voix. Puis moi, j'étais quelqu'un qui avait la voix très, très juste. Alors, quand je faussais, j'entendais. Tu sais, c'est... Puis on le sait que on c'est le pas sait. Ça. Oui, on sait que c'est pas ça la note. On sait que c'est pas ça la voix. Et... écoute, à un moment donné, c'est revenu. Cette voix-là est revenue et j'ai décidé de me dépêcher et d'enregistrer un CD au cas où ce moment-là ne reviendrait plus. Wow! Donc, cet album-là s'appelle « Cœur à cœur ». Le titre a été trouvé par ma mère, hein? Et ma mère qui me connaît beaucoup. Et cet album-là est parti d'une chanson de mon père. De 75 ans, mon meilleur ami, mon phare, mon père qui m'a écrit la chanson. T'es chanceux, tes parents vivent encore. Oui, très, 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 très. Et mon père m'a écrit une chanson qui s'appelle « La chanson de nos 20 ans ». Et c'est cette chanson-là qui m'a donné envie de me battre pour rendre cet hommage-là à mon père, qui est tout pour moi. Qui a été une de mes grandes raisons de me battre. Alors, je sais qu'il est à l'écoute actuellement, alors, papa. Bon, salut, comment il s'appelle ton papa? Clermont. Clermont, on salue Monsieur Clermont. Et on salue tous les gens qui sont en audio ce soir sur rcmv.ca. On salue les amis à la maison, on salue les amis au Montaza de Pointe-aux-Trembles. Salut tout le monde en ligne. Oui, on a des amis. Là, dans le chat, ça va rentrer. On a voir. Cowboy 51. Les gens vont te saluer. Salut. On va écouter quelques pièces musicales et on va revenir. Avec grand plaisir. Avec Cynthia Lavoie avec nous ce soir. Elle a eu un petit message de Cowboy. C'est écrit « Bas-toi, Cynthia ». Yes, sir. Il est en arrière de toi, lui. Je pense que c'est ce qu'elle a fait... Avec les photos que j'ai vues de ton lancement, je trouvais ça super. On va en parler après la pause. Avec grand plaisir. On y va avec une chanson, Cynthia, qui s'appelle « Notre ère de blues ». Oui. Parole et musique de toi. Parole et musique, un petit country blues. Alors, il y en a pour tous les goûts sur cet album-là. Alors, oui, c'est une petite chanson de mon cru. De mon cru, j'ai dit. On va entendre aussi le groupe Exception. C'est la chanson au bar et ils sont justement en spectacle dimanche au bar d'Anjou. C'est un nouveau CD aussi. Oui, un lancement. Un lancement de CD. Wow, un lancement dimanche. Oui. Oui. Il y a tellement de monde qui lance des CD c'est ainsi. Cette année, c'est fou. C'est fou. On pourrait faire, je pense, au moins 2 ou 3 émissions par semaine. La musique country. Puis on manquera pas d'artistes. Yes. Camille qui diront que le country marche pas. En tout cas, cette année, c'est, on peut le pas dire ça. Le country monte comme ça. Hein? Juste du bon monde. Et puis, on va entendre Michel Melançon et Nathalie Bergeron, l'envol. On va poursuivre encore avec une chanson de Cynthia Lavoie, la chanson de nos 20 ans. Ça, c'est la chanson de ton papa. Et la chanson de mon père, oui. On va entendre ça. On va entendre Tilou, un stage et un micro. Brigitte Junot qui nous chante « Prends la vie du bon côté ». Et on revient avec toi à l'entrevue tout de suite après ces belles chansons qu'on va entendre sur les ondes de rcmv.ca. Merci. Merci les filles. L'orchestre joue notre air de blues. Rien que pour nous. Allez mon cœur, invite-moi. Je veux la danser dans tes bras. Tout notre amour n'a pas changé. Même après toutes ces années, l'orchestre joue notre air de blues. Je ne veux le danser qu'avec toi. On a toujours pu surmonter
conjuguer. Toute la force du verbe aimer. L'orchestre joue notre air de blues. Et nous le jouons rien que pour nous. Allez mon cœur, invite-moi. Je veux la danser dans tes bras. Tout notre amour n'a pas changé. Même après toutes ces années, l'orchestre joue notre air de blues. Je ne veux la danser qu'avec toi. L'orchestre joue notre air de blues. Et nous le jouons rien que pour nous. Allez mon cœur, invite-moi. Je veux la danser dans tes bras. L'orchestre joue notre air de blues. Je ne veux la danser qu'avec toi. On a un grand ami en commun avec nous ce soir, M. Richard Huet, qui est avec nous. Ça va bien, Richard? Oui. T'es bien fin d'être venu nous voir. Ronnie Nelson, mon ami, et c'est Diane, grâce à Ronnie. Épouse. Oui, ils ont décidé de sortir le vieux. Ils ont dit, on sort le Richard ce soir, on le sort. Il sent la boulamite, il est temps qu'il sorte. Fait que me voilà, puis je suis content, par exemple, parce t'es que ça, bien fait, ça fait longtemps que j'y pensais, mais comme j'habite Verdun, puis j'ai pas de véhicule, c'est... Ouais, c'est sûr pour toi. C'est la... Mais tu sais, Richard, on te fait jouer souvent, hein? On a fait une émission deux, trois semaines sur les cabarets, puis j'ai fait jouer plusieurs personnes. Ah, oui. Lise Lévesque, Raymond. Ils sont les années 80. Dans le temps des cabarets. Ouais. On a fait une émission là-dessus, et on a eu... tellement de plaisir à cette émission-là, tu peux pas savoir. Ben, j'imagine, parce qu'il y a un paquet de souvenirs qu'on a ensemble. Écoute, c'est du monde 30 ans passé, là, que c'est du monde qui a fait... On cherchait un nom de cabaret, là, c'était sur Sainte-Catherine, c'était ouvert 7 sur 7, puis il y avait des shows, 3 shows par jour. Cazelle, Loma, ou... Il y avait l'entrepôt. Mais plus vieux que ça encore, dans le temps des cabarets. Ah, le vieux Champlain, qui s'appelait le nouveau Champlain, puis qui est devenu le vieux Champlain. Avant ça, le Café de l'Est. Le Café de l'Est, c'est ça. Oui. Café de l'Est. Je cherchais pour le ce... Manoir Laurier. Manoir Laurier. Il y en avait à la tonne, dans ce temps-là. Les gens qui chantaient avaient des places pour chanter. Maintenant, c'est compliqué. Là. C'est compliqué parce qu'il n'y a plus grand-chose pour le spectacle. Hein, et puis les salaires. Les pour salaires. Les gens, pour les gens qui écoutent, là, je vais vous le dire franchement, les vrais chiffres. Les vrais chiffres. Disons donc que pour un spectacle à l'époque, ça me donnait 800 à 1000. Pour une semaine? Non, pour un soir. Pour un soir? Oui. Puis aujourd'hui, honnêtement, là, vous allez sursauter. Là. Aujourd'hui, c'est peut-être chanceux 200, 250. Entre 2 et 3, mais vraiment on chanceux, est content. Vraiment oui. Chanceux. Oui. À part de ça, ben là, tout le monde veut t'avoir gratuitement. Là. Mais on ne va pas aller partout gratuit. Ça coûte cher. Hein, je veux dire. Non. Puis ça, je ne parle pas du bénévolat. Là. Je parle des endroits où on chante, qui nous reste à chanter. Mais dans le bénévolat, ben là, c'est pire. Et c'est pire que pire. C'est pire que pire. Mais en tout cas, mon beau Richard, merci énormément d'être venu nous voir ce soir. C'est un amour. Ma chum Joanne. Ben, je suis tellement content. Ça fait tellement d'années qu'on se connaît. Il va falloir que tu viennes faire une émission à un moment donné avec nous autres. Mais ça, à l'automne, j'aimerais ça. Ça, j'aimerais parce qu'on va rire. C'est là, on est plein. Tu sais, Richard,
on n'a jamais eu une année là, comme de lancement de CD comme cette année. Ouais. Il y a tellement de lancements de CD. Ben j'en ai un nouveau là. Oui. Bon, ouais. Un nom. Le lancement va se faire, je ne sais pas si je peux l'annoncer. Ben oui, annonce-le. L'ancien patron, ça va se faire au New Kazan. Oui. Je pense le 5 mai. 5 mai, tu fais ça. 5 mai. Ben, en fait, ça va être deux albums. Il y a un album pop et puis un album country. Ben, en tout cas, nous autres, on aimerait bien ça, avoir ces CD-là pour te faire jouer. Ah, ben oui. Avoir su y avoir pensé, tu sais, je suis pas brillant. Tu aurais dû m'emporter ça. T'es pas large, mais jamais t'es brillant. Là. Oh, dis pas ça. T'es tellement gentil. C'est facile avec le monde gentil. Ben, tu nous apporteras ça. On va te faire jouer, nous. Puis à l'automne, parce que là, on est plein, plein, plein. C'est oui, tous des sais. Lancements de CD. C'est correct. Oui, c'est correct. On fournit pas. Tu sais, je veux dire, on les aime tous. On veut aider tout le monde, mais on peut ouais. pas... Non, mais cet automne, on va faire une okay. soirée. On fait ce qu'on peut. C'est le fun que vous soyez là pour le faire. Comme je dis, on a deux mains, deux pieds. Hein? Oui. C'est parce qu'on se fait prendre en photo. On n'est pas aveuglé, mais on ne sait pas où donner de la tête. Ben oui, gars, on va faire un beau sourire. Là, toute la gang, vous, on va faire un beau sourire. Puis là, Daniel Guernon va prendre une belle photo. Il est à Michel. La gang de radio. La gang, toute la gang. Puis là, c'est Merci. Le fun parce que tout à l'heure, tu fais du karaoké. Bien, du karaoké, les gens amènent leur trame sonore. Oui. Tu sais, les gens, il y a leur trame. Et j'en ai apporté. Les USB. J'en ai aussi. J'ai quelques karaokés avec moi. Oui. Et on se fait du fun comme ça. On va avoir... Et je trouve ça le fun, ça donne l'occasion aux gens de chanter. Ben oui. Parce qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus bien de place. Là. Puis dans la semaine comme ça, ben c'est rare. Ouais. Puis ça laisse l'opportunité aux gens de venir se pratiquer puis de chanter. Oui. Des fois, on rentre en onde. En direct. Peut-être ce soir, grosse chance qu'on rentre en direct. Alors, tous les artistes qui sont ici vont pouvoir annoncer leur show et les choses à venir. Il y a Ronnie Nelson, il y a Ronnie Anna. Aussi. Oui. On a Lucie Legault. On a toi qui va chanter. On a Cynthia. On a Anna Latreille. Luc Tremblay qui est ici. Ah oui, oui. On a Sonia. Sonia Lafleur. Belle Fleur, je pense. Belle Fleur. Oui. Christine. Fait, ça va tout chanter. Puis toi, t'es là. Puis moi, je suis là. Mais j'ai un petit rhume aujourd'hui, fait que je vais laisser l'espace aux autres. Vu que j'ai un rhume... Regarde-la avec ses excuses. Ah, j'ai toussé pas mal. Même dans l'entrevue, là. Oui, je t'ai vu aller fumer ouais. dehors. Ça achève, le fumage. Ça achève, ça. Il paraît que ça partit... Ah, il m'a checké. Il m'a checké. Ah, je te check, je te suis, là. Tu peux pas imaginer. Moi, je suis là pour espionner puis rapporter après. Sur tes ondes. Bon, c'est ça. On fait ça parce qu'on aime le monde. Ben, je sais. M'a dit, comme ma grand-maman me disait, qui ne vaut pas une risée, ne vaut pas grand-chose. Non, ça, je l'ai compris il y a longtemps. Ah, ben, gars. De toute façon, quand tu viens au monde avec une face comme la mienne, tu fais mieux d'apprendre à rire tout de suite. Mon nom, moi, James Bond. Je me suis fait agacer avec ça, moi, James oui. Bond. Ah, oui. Ah. Ben oui, c'est vrai. Ah, mon Dieu. Jésus-Christ, toi, hein? Oh, toi, c'était Jésus-Christ. Il y a Gérard Roussel qui est avec nous aussi. Oui, monsieur Gérard Roussel, oui. Oui. Je l'ai vu tout à l'heure. C'est tout du monde qui va chanter. Ça, c'est le fun. Restez pas à la maison, venez nous rejoindre. Ils peuvent venir nous rejoindre, il reste de la place. Excellent bistrot, la bouffe la est bonne. La nourriture est super. Le service est excellent aussi. Oui, Lynn, notre barmaid. On a Émilie aussi, notre serveuse. Et toute l'équipe sont vraiment magnifique. Numéro un. Oui. Go, girl! Hey! Et puis là, ben, on va finir l'entrevue. Avec Cynthia. Avec la belle Cynthia, la Alors, voix. Alors, je remets le micro à Cynthia, il s'est beaux yeux. Et puis toi, cet automne, ça va être un rendez-vous pour cet okay. automne, OK? Oui. Je t'appelle. Puis envoie tes CD, là. Oui. Ben, avec un peu de chance, je vais peut-être venir les porter. Oui. Moi, je suis là tous les si samedis. Si Ronnie sort le vieillard. Ronnie et Diane sortent le vieillard, on va être correct. Je suis sûr que ça va leur faire un plaisir de t'amener. Puis... Ben, un beau bonsoir à tous les auditeurs. Et puis, restez pas à la maison. Venez nous rejoindre. Il y en a sûrement qui s'ennuient et qui ne savent pas quoi faire. Ben, venez le faire avec nous autres. Ben, on... Voilà. Au Montaza, on a toujours beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Richard Huet. Peux-tu te frencher au micro? Au micro, qu'est-ce que tu vas faire? Frencher au micro. Bruit. C'est tout un numéro. Merci, mon beau Richard. Tu sais ce qui me frappe, Richard? Je pense que...
beaucoup de générations de se rappellent. Il y a la passion. De Richard Huet, oui. Puis il y a encore la passion de son métier, malgré toutes ces années. Et encore le look. C'est un gars qui vieillit pas. Non, change ça, pas. Ça en est frappant. Tu te demandes s'il n'a pas fait un pacte avec le diable. C'est... il est beau, pas. Mais il est beau. C'est vraiment, là, c'est incroyable. Il est beau, il est fin, talentueux. Richard Huet, c'est un amour. C'était le chanteur préféré de ma mère. Même moi, ça a été le mien aussi. Donc, quand on je vois, a écouté ça, hein, du Richard Huet. Tellement là, humble, il y a deux nouveaux CD. Qui va nous apporter ici? Oui, deux nouveaux CD. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu, Richard. Les plus grands sont les plus humbles. Oui, du nouveau matériel. Il y a eu une dizaine d'années. Un ça petit peu plus. Trop longtemps. Trop longtemps. Attends, je vais aller y poser la question, je reviens. OK, va lui demander si ça fait comment qu'il a fait de CD. Puis nous, bien, on va dire aux gens, t'as-tu des spectacles à venir, Cynthia? Je te dirais que j'en ai pris très peu pour l'été parce qu'il y a une immense tournée. Tu travailles dans la semaine, alors? Je travaille la semaine, oui, mais en même temps, il y a une immense tournée dans toutes les réserves amérindiennes qui s'en vient. Donc, ça demande beaucoup de préparation. OK. Il y a de grandes choses qui s'en viennent en France, un peu partout aussi au Québec. Donc, moi, je me concentre là-dessus pour 2017. Là, ça va bouger. En 2017. Tout à fait. Tout à fait. J'en doute pas. J'en doute pas. Mais entre-temps, je vais être à WICAM, le plus proche dont je me rappelle. Je vais être au festival de WICAM. J'ai pris également, j'ai accepté celui de Saint-Léonard-d'Aston, qui est en juillet. Okay. Ensuite, je suis pas mal à l'extérieur, mais c'est beaucoup, beaucoup concentré sur la tournée dans toutes les réserves amérindiennes du Québec. Ah, c'est bien. Et puis, les gens qui veulent te contacter, c'est par Facebook ou... Par Facebook, j'interagis beaucoup. Pour avoir ton album CD. J'adore les gens, donc oui, j'interagis beaucoup par Facebook. Vous avez le site web qui est Cynthia Lavoie, wordpress.com. Vous en apprenez énormément. Vous avez des fan clubs qui sont majoritairement gérés par Mamie Jo et ils vont t'héberge. Ils ont monté ton site web. Qui a monté mes sites web. C'est gentil, monsieur Yvon, hein? Il est gentil. Très gentil. Ouais. C'est des gens comme ça, il n'y en a pas assez dans ce milieu-là. Donc, c'est très, très appréciable et on se doit de leur être reconnaissant. Donc, c'est la générosité, autant dans le métier que partout ailleurs, elle se fait rare de plus en plus. Donc, quand elle est là, il faut en être reconnaissant puis il faut être capable de la mettre en lumière et en valeur. Alors, merci. Merci, Joanne. Tu fais partie merci de ces gens-là toi, aussi. Merci Cynthia Lavoie. Merci, Diane. Gros merci, merci d'être venue Michel. Me rendre visite aux trouvailles de Joanne. Merci. Au plaisir de te revoir. Hein? Avec grand plaisir. Tu peux venir nous saluer n'importe quel mercredi. Certainement. Un petit bonjour en passant. Certainement. Hein? C'est pas tellement loin. Non, c'est pas si loin. Oui, ça se fait bien. Tout à fait. On a toujours beaucoup de plaisir. Mais tu sais, je te dirais, j'ai pas pris ma voiture parce que j'ai passé l'avant-midi aux urgences. Je vous donne une petite scoop. Parce que j'étais intoxiquée par des produits pharmaceutiques un petit peu forts. Donc, je ne savais pas même si j'étais en mesure de me présenter. Mais écoutez, je ne regrette pas. Alors, je suis très contente d'avoir été là. Gros, gros, gros merci. Gros merci à vous deux. Vous êtes des amours. Je vous aime, je vous adore. On t'adore. Merci, ma belle. Merci. Bisous. Et puis là, les amis, bien... Gênez-vous pas, ceux et celles qui veulent se procurer l'excellent album CD de Cynthia Lavoie. Alors, gênez-vous pas, allez la voir sur son Facebook et elle va se faire un plaisir de vous parler. Avec grand plaisir. Et de vous poster l'album CD. Merci à tous d'avoir été ma raison de me battre et d'avoir fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, ce rêve-là, notre histoire d'amour, elle se continue. Alors, sans vous, j'y serais pas parvenue. Merci. Merci à toi. Super, hein? Hey! Super. Et puis là, les amis, bien, moi, je vais vous laisser avec Diane, puisque faut que je m'en aille à l'animation. Je pense qu'on va aller en direct encore ce soir. Eh hein? Oui. On va être faire du direct ce soir. Une belle brochette encore ce soir. Oui, on a beaucoup puis de gens. J'ai été faire ma blette. On va les faire chanter. J'ai été faire ma blette. Oui? Oui, j'ai été demandé à Richard. À Richard faisait commentaire qu'il n'a pas enregistré. Ça fait sûrement une dizaine d'années. Une dizaine? Hein? Il dit, oui, à peu près. Puis Ronnie Nelson dit tirer la pipe un petit peu. Il dit, non, ça fait plus que 100 ans.
Mais ça vous c'est donne peut-être l'atmosphère. Plus que 10 ans aussi. Ça vous donne ça. L'atmosphère qui règne ici, hein? Ça se tire la pipe à qui mieux mieux. C'est fou, fou, fou. On a une bonne atmosphère. C'est le fun, oui. Beaucoup de technerie. Tiens, on pourrait peut-être mettre une dernière pièce de Cynthia. Je veux être avec toi. C'est... Elle a joué. Laquelle? Elle a joué Je veux être avec toi. Oui. La chanson de Louvetta. On l'a fait jouer au début. Elle a joué. Il y en a plusieurs qui ont joué, oui. Oui, elle a joué la deuxième, si je ne me trompe pas, la chanson de nos 20 ans. Oui, ouais. Oui, on a fait jouer plusieurs. Là, il en reste deux qui n'ont pas joué, je vais te dire lesquels. C'est Je veux être à toi. Peut-être ça n'a pas joué, ça. J'ai. Cynthia, 80 ans, et l'autre toune, c'est Tu me manques. Ça, c'est les deux seules tounes qui n'ont pas joué. Okay. On va faire on jouer ça. 80 ans. On fait jouer ça, ma belle Cynthia, et ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir, et l'histoire se continue. Yes. Merci, Joël. On va t'entendre tout à l'heure. On va t'entendre tout à l'heure, une petite chanson ou deux. Oui, ma chère. Yes. Merci. À tantôt. Oui, bye, les tantôt. Amis à la maison. Bye, bye. Merci d'avoir été là. Ciao, ciao. T'aurais pu me faire savoir lorsque j'ai cessé de croire que tu serais toujours là quand j'aurais besoin de toi. Et tout au fond de mon cœur, ce sentiment de rien à perdre et ce mal de vivre en moi lorsque tu es loin de moi. Me crois-tu maintenant? Je t'ai dit tant et tant de fois, tu as mon âme entre tes mains. Me crois-tu maintenant? Me crois-tu maintenant? Que je me perds sans ton amour. Je t'aimerai toujours. Me crois-tu maintenant? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je veux pas savoir la vérité. Je continue de croire en toi. L'important, c'est que tu sois là. Tout ce que je sais, je me sens bien. Et qu'avec toi, je ne crains rien. Tout ce feu qui brûle en moi trouve sa route auprès de toi. Me crois-tu maintenant? Je t'ai dit tant et tant de fois, tu as mon âme entre tes mains. Me crois-tu maintenant? Me crois-tu maintenant? Que je me perds sans ton amour. Que moi je t'aimerai toujours. Me crois-tu maintenant?